Bonjour, c'est la grenouille au micro, celle qui farfouille devant les châteaux. Je parle de la pluie et du beau temps, en direct depuis la cour des grands. Dans tout leur domaine, ils sont les rois et les reines. Flatteur et pluie d'éloges, je suis toujours aux premières loges pour commenter dans l'allégresse les derniers potins de ses altesses. Je ne suis pas censé tout raconter sur nos chères têtes couronnées. Aussi, je compte sur votre discrétion pour ne pas le répéter à la maison. Ne tombez pas à la renverse, ne courez pas en sens inverse si vous croisez sur votre chemin un fantôme bien zinzin. Bienvenue chez nos amis les rois et les reines. Le roi Zinzin a perdu son éventail et il se demande si ce ne serait pas du côté de chez la reine Bobo. Sauf que le roi Zinzin n'est jamais venu par ici. Tiens, la nuit tombe vite en cette saison. Oh, pardon monsieur, vous n'auriez pas vu mon éventail par hasard? Pas bavard dans le coin. Éventail, où es-tu? Petit éventail. Ouh. Oh, 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 éventail. Petit éventail. Où es-tu? Oh! Même dans le noir, je te retrouverai, petit polisson. De nouveaux effondrements à cette heure? Gentil éventail, où es-tu? Ouh, au secours! À moi, un fantôme! Ouh, éventail! Ouh, éventail chéri! Allô? Je suis désolée de vous déranger, reine Cache-Cache, mais il y a un fantôme chez moi qui terrorise tout le monde. Un fantôme? Tenez bon, j'arrive. Il y a un fantôme chez la reine Bobo. Peut-être que c'est mon cousin Hector. Tu as raison. Il ne rentre de voyage que dans 2 siècles. Ne craignez rien. Ce n'est que moi, Cache-Cache. Aidez-moi, j'ai si peur de ce fantôme! Sans doute un pauvre esprit égaré, je m'en occupe. Qui est là? Éventail chéri, où es-tu? Rentre immédiatement à la maison! Par les forces de la nuit réunies, dis-moi de qui tu es l'esprit? À moi qu'il est glissé par ici? Je ne perçois pas ta nature de fantôme. Mon éventail chéri, je sens qu'il m'appelle. Reviens. Elle n'arrive pas à entrer en contact avec le fantôme. Mais lui, avec son éventail, semble être ce soir bien plus inspiré. Cette chute d'escabeau vous aura de nouveau foulé le poignet. On va dire que je n'étais pas encore tombée depuis ce matin. Au secours! Le fantôme est de retour! Qu'est-ce que j'ai donc fait pour qu'on vienne me hanter comme ça? C'est indigne d'un fantôme bien élevé d'embêter ainsi cette pauvre reine Bobo. La reine Bobo? Oh non! Elle va encore vouloir prendre ma température! Mais c'est vous, Zinzin? Qu'est-ce que vous faites donc ici? Tiens, il fait jour! Pardon, mesdames, vous n'auriez pas vu mon éventail par hasard? Vous n'avez pas pu le perdre par ici! Vous n'êtes encore jamais venu! Se faire passer pour un fantôme, ça ne se fait vraiment pas! Et si je profitais de votre venue pour vous faire passer une petite visite médicale? Eh bien, c'est-à-dire, quelle heure est-il? Et c'est que je n'ai pas encore mon éventail adoré! Tu es revenu? S'il n'avait pas retrouvé son éventail, il hanterait encore le château de cette pauvre Bobo. Car, entre nous,
Zaza est complètement ma boule. Faut croire qu'il a perdu la boule. Quand il se prend pour un vélo, il fait pouet pouet et roule sur le dos. Longue vie au roi et aux reines. Ils ont comme nous des joies de peine, mais ils ont de si beaux châteaux et aussi de gros défauts. Chantons, chantons qu'ils soient toujours comme ils sont. Mais entre nous, tous les potins, les écomondes, c'est ma tasse de thé, c'est mon gagne-pain.